Bonjour à tous. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont dormi pendant l'éclipse lunaire qui a eu lieu la nuit du 21 au 22, en fait, hein. C'était pas vraiment le 21, mais bon. La Terre est passée entre le Soleil et la Lune, ce qui fait qu'il y a une zone où il faisait jour. Alors bon, ça reste moins surprenant qu'une éclipse de Lune, qu'une éclipse de Soleil où il fait nuit en plein jour. Ça reste assez moins surprenant, oui. Mais quand même, là il fait bien nuit. Hein. Là on est le 24, il fait bien nuit. C'était pas vraiment le cas la nuit du 21 au 22. On pouvait dire que c'était une sorte de crépuscule, un peu comme le temps qu'il fait au pôle Nord, vraiment la luminosité qu'on a au pôle Nord, un petit peu. Bon, c'était pas une aurore boréale, mais il y avait des reflets rouges. Puis après, c'est dommage qu'il y avait beaucoup de nuages à cause de la neige qui se présentait. À Lille, en tout cas, c'était comme ça. Et rouge, et après petit à petit bleu-blanc, genre un peu comme des ultraviolets, quoi. C'était quand même beau à voir. Alors, c'est l'occasion de faire une belle petite prière pour dire que c'est pas la fin du monde. L'éclipse, c'est normal. Ça sert à rien de s'allumer, de faire des sacrifices humains ou je ne sais quoi. C'est juste un moment sympa à passer. Moi, je l'ai passé en amoureux. C'était très bien comme ça. Il y en a qui passent dans un groupe sectaire, c'est plus triste, mais bon, ça arrive. Et pour ceux qui ont manqué cette éclipse, la prochaine est en 2021.